Bonsoir. Un petit éveil de conscience. J'avance les yeux fermés, la forme au fond des chaussettes. À chercher la raison de notre chute, et là c'est chose faite. En grattant, je calcule tout, à la vitesse d'une corvette. Stress, diète sont les premières causes réelles de nos corps sveltes. Jour après jour, je m'aperçois que mon métissage pâlit. Ce monde est fou, pas étonnant que des petits sages pâlir. La douleur monte partout, pour ça y a pas d'analgésique. Et je t'avoue qu'en voyant ça, des fois sombrer dans le mal, j'hésite. On marche ici la tête baissée pour éviter les pièges. Et le formatage véhiculé parce que la télé prêche. Aider les proches, c'est devenu limite un décent, mais péter les bronches devient la seule chose intéressante. Mais on calera tout jeune à la Jeanne d'Arc ou Sainte-Thérèse, esclave d'un système où tu peux t'évader qu'au sein de tes rêves. Si le seul te reste en travers de la trachée, c'est que la route de la vie est longue et que le drame en ponctue le trajet. La folie grandit, hé, tellement d'égo que c'est grotesque. Faut garder le cran tirant à capella ou sur grosse caisse. On bosse et qu'est-ce qu'on fait de plus à part payer les frais pendant que le tiers veut grimper et que tous les autres pays le freinent. Pillant ses réserves, les rapatriant par pipeline. Spoliant minerais et métaux sans soucier que le peuple aille. Bien ou mal, non, non, c'est pas normal à traiter le bar de déficit mondial. Mais où passe l'or, man? Faut pas se leurrer, hein. Ils sont pris pour des pharaons. Dirigeant fanfaron, le nôtre en une bourde fera honte. Faudrait être inconscient pour renouveler son mandat. Sous mandat, faudra qu'il crache qui sur nos dos, sur mandat. Ça mentit pour répondre aux premiers besoins primaires. Ce monde-t-il des bombes et pour du shit, nos pouces sont primaires. C'est promis, on essaiera de choper le mal par le nerf, mais pour parvenir à l'atteindre, on a besoin de partenaires. Parce qu'ils nous endorment, disant qu'on finira par s'en remettre. Que le moteur à eau n'existe pas, mais tout ça c'est des sornettes. Il parie sur nos sorts, mec. Je suis pas sûr qu'on en sorte net désormais, c'est certain. Le début de la fin semble naître. Ce monde, c'est le nôtre, mais on lui fait mal comme aux personnes qu'on aime, parce qu'on ne pense qu'à nous, mais prenons conscience que c'est le seul qu'on est. Arrêtons de le traire et de les laisser le saccager. Leur éther nous fait taire, je suis en apnée, c'est pour ça que j'ai la jugeote de choisir mon stylo pour militer et réveiller les esprits pour qu'ils retrouvent l'humilité. Écoutons le pape, votons pour démilitariser le drapeau blanc dans les bras, il suffit d'aimer le caresser, mais c'est mort, car ils sont bêtes. Je dirais même qu'ils sont de mèche avec le diable, on n'éteint pas l'enfer avec un seau de neige. Mais les couteaux font la mer et les grains de sable les dunes. Si on s'unit, ça peut se compliquer, mais dis-moi simple, les tues. Je te dis ça parce que jusqu'ici, on n'a rien fait pour arranger les choses. Et on se détruit de notre évolution. Tout va trop vite, les potes de celles qui ont les choses, quitte à pourrir sous les cendres et la pollution. Non, jusqu'ici, on n'a rien fait pour arranger les choses. Et on se détruit de notre évolution. Et ce sera pas la peine de vouloir jouer les shows lorsque viendra l'heure de la révolution. Merci de votre écoute. Ouais.